Jour 4, le duel. Rejet. C'est pas fin. J'ai un défi pour toi. Oui. C'est un poisson d'avril. Oh non! Tu devras convaincre Cynthia de te suivre dans le spa. Parfait. Tu devras convaincre Arcadio de te suivre dans le spa. Personne ne doit le savoir. Je te dirais que j'ai poussé ça en blague. J'ai fait un bras de fer avec, puis j'ai dit que si jamais je gagnais, je l'emmenais dans le jardin. Là, j'ai fait 50% de la mission. J'ai dit le signe que j'y ferais. J'ai dit qu'il fallait qu'il fasse l'activité jusqu'au bout, qu'il ne pouvait pas reculer. Et bienvenue à Love Story. Le poisson d'avril d'hier a mal tourné entre Cynthia et Arcadio. C'est difficile pour un couple de vivre en groupe et de mettre les sentiments de côté, surtout quand le maître se met de la partie. Confesse pour toi. Confesse, non, je crois. Je sais pas ce que tu penses. Je voudrais que tu me fasses confiance. Je veux pas que tu poses de questions. Je la fond, ok? J'ai un scéné. Je dis, j'en pense à un poisson d'avril avec tes maisons. J'ai pas même pas pogné mon maillot. Je suis vraiment heureux que tu sois là, mon gars. T'as pas idée. Oh my god! Fuck, je te veux, man. Là, je dirais bien, c'est pas ce que tu penses. Mais... Oh. Je sais que tu vas me croire, c'est ça, mais. Hey, comment tu l'as convaincu? Moi, je suis arrivée, tu sais, je me suis pratiquement. J'ai montré mes seins, j'ai dit, là, c'est juste ça que tu veux faire. Hey, man, salut. Tu veux savoir comment elle t'a convaincu dans ce cas? Hey, non, là, tu peux pas le faire. Non, inquiète pas. Ben, je veux juste savoir comment, qu'est-ce qu'elle t'a dit pour te convaincre. J'ai vraiment surréagi, là. Si je repense dans la tête, t'es complètement con. Je te le jure sur la tête, parce que j'ai couché au monde. Que jamais je me serais amenée ici avec Arcadio. Non, ça n'a même pas rapport. OK. Oui. Tu peux faire confiance à Christelle. C'est un poisson d'avril. Oh! Arcadio peut te garantir que jamais je l'avais ici en faisant des avances. Jamais il y avait pas pensé ça deux secondes. La seule chose que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que Christelle avait pu dire à Arcadio pour le convaincre d'aller dans le spa. J'avais pas l'impression de trahir Cynthia du tout. Dans le sens que, pour moi, aller dans le spa avec une fille, c'est sûr que c'est compromettant, mais moi, je savais très bien que ça allait pas dépasser une certaine distance. J'aurais vraiment aimé être ailleurs que dans l'espoir avec Roger et Arcadio. Je me sentais vraiment bizarre, puis c'était pas cool, sérieusement, c'était vraiment pas cool. Parce qu'il aurait fallu changer Gab par casse, ça aurait été différent. Avant ma rentrée dans le Love Story All-Stars, quand lui, il avait pas été nommé pour être choisi, il y a eu beaucoup de potins sur les forums et tout, comme quoi j'allais... finir avec Cass. Fait que dans le fond, Cass, comme un sujet délicat. Aurais-tu préféré que la situation soit inversée? La situation inversée, que ce soit moi puis Gab en premier dans le Cass? Dans le Cass. Dans le spa? C'est un gars qui est beau, oui, mais j'ai pas... je le connaissais pas. Moi, je l'ai connu en écoutant Love Story, puis le connaître là. Puis en dehors, on s'est parlé un peu, mais rien de plus. Mais c'est pas un kick, c'est vraiment juste c'est beau, c'est tout, mais... Non. OK, on va-tu vraiment faire notre thérapie de couple? Ben, c'est ça qu'on fait en ce moment. Mais pourquoi tu veux faire ça? Ben, parce que je sens qu'on en a besoin. Devant... Tu me pètes des vieilles crises de... tu me pètes des vieilles crises de jalousie devant tout le monde, parce que... Comment ça, devant tout le monde? Ben, devant tout le monde. C'est pas grave. C'est entre elle et moi, mais...
Tu dis, j'ai pas envie d'en parler, on en parlera plus tard. C'est toi qui vas en parler, bon, fait que si ça sort tout croche. Ben, c'est ça. Mais moi, j'aurais dû dire, OK, c'est bon, on va se parler plus tard parce que je le connais, il est impulsif. Il va parler plus fort, mais. Je sais pas comment dire ça, il pense pas vraiment à ce qu'il dit tout le temps. On s'est chicané de même pour le français d'une tête. Ça n'a pas rapport, t'as dépassé parole, tu parles en honte, j'ai l'air une crise de fun avec toi qui t'écoute et qui est triste, genre. Tu veux vraiment qu'on parle de moi? C'est toi qui as niaisé en haut, là, c'est pas moi. J'ai pas niaisé! Si lui m'avait lâché un call comme ça, moi j'ai répété une crise puis c'est ça qu'il prenait pas. Le fait que moi je m'en permette quand j'ai une réaction comme. Qui laisse à désirer. Tu sais, je parle avec Christophe, tu viens me chialer après devant tout le monde. Ben oui, mais t'es pas obligé de fucking raconter. Ça, j'ai pas bien raconté, j'ai raconté pourquoi j'ai la conne d'être jalouse. Parce que j'ai dit que j'étais jalouse. Ben, parce qu'elle se sentait toi, mal. Hé, hey, elle se sentait mal, là, Chris. OK, tu me tournes le dos de même. Hé, hey, t'es j'ai un dit, j'ai pas envie d'en parler, c'est les chicanes, je m'y attendais aussi fortement. Je pensais pas que ça allait être si vite que ça, par exemple. Mais je sais que ça finit toujours par s'arranger, puis on s'explique, puis on se fait des excuses, puis c'est correct. Fait que là, c'est correct. Après la pause, les génies s'affrontent. Équipe de Biggie, vous vous appelez dorénavant la polyvalente du soleil. Ouais! Équipe de Sébastien, le collège du boisé. Oh, un joie génie en herbe! Malade! Derrière du collège du boisé! Polyvalente du soleil! Oh oui, moi je te dis, man, il me donne tout le temps les pires costumes ever, là. La mienne est comme bizarre, là. Tellement cute, on s'en met. Oui, c'est ça. On est du collège du boisé, un petit collège privé, pas trop loin d'ici. Je me fais tout le temps taxer. Je longe les murs. J'ai l'air d'une fille facile. Des années 80, hein? Celle qui allait toujours au match de foot des garçons pour essayer d'en cruiser le maximum possible. Hein? Je me sens un peu comme ça. Malgré que moi, je suis quand même un gars à son affaire, j'ai une maths dans le cours de maths. J'ai une maths à se mettre dans le droit chemin. Je le laisse copier sur moi dans le cours de maths. Je veux pas que tu redoubles encore, moi. Je suis peut-être bien seulement le bassiste du groupe de l'école, mais... À redoubler 4 ou 5 fois, on s'entend-tu que ça change rien? On va être le seul de l'école à avoir eu la mère et la fille comme prof. Le clan de Sébastien affrontera le clan de Big dans ce match de génie en herbe. Roger, c'est toi l'animatrice. Tout le monde est prêt? Oui, yes. Oui. Alors, nous commençons. Quel est le nom de l'auteur de L'Ancien Comte? Régent Tremblay. En quelle année s'est terminée la Deuxième Guerre mondiale? 1945. Alors, qui est l'auteur du livre Le Prince? Machiavel. Quel est le plus gros os du corps? Le fémur. Que signifie l'acronyme Cégep? Collège d'enseignement, général et professionnel. Bonne réponse. Yeah! Jean Béliveau. Freud. Le Caire. Jeannette Bertrand. René Lévesque. Séraphin. Paul Martin. Quel auteur britannique a popularisé le personnage de Big Brother? George Orwell. Bonne réponse. Yeah! Les résultats. Collège du Boisé, 23 points. Polyvalente du Soleil, 30 points. C'est donc l'équipe de Big qui gagne la sphère d'immunité. L'auteur. Oui. Il est l'heure de déterminer à qui ira la sphère d'immunité. Équipe gagnante, oui. Vous restez
autour de la table. À la fin de cette discussion, l'un de vous sera le premier immunisé de Love Story 6. Je veux un consensus d'ici 30 minutes. Moi, je vais y aller vraiment pour quelqu'un que je connaissais pas vraiment avant ici. Puis j'apprécie beaucoup le connaître. Fait que moi, selon moi, ça va être Kevin Kyle. Moi, je serais menteur de dire que je la veux pas. C'est sûr que je la veux. Mon but, c'est de me rendre le plus loin possible. Je serais juste menteur de dire que je la veux pas. Mon choix, moi, il porterait soit entre Kéké ou David parce que, ben, je les apprécie énormément. Puis je m'entends super bien avec eux. Moi, je me sens quand même en danger ici parce que c'est entre nous. Puis j'ai pas non plus puis la majorité du monde. Tu sens déjà qu'il y en a une couple qui. Ouais. Moi, je ne veux pas la boule. Je la donnerais à soit Arcadio, soit Delphine, parce que c'est à cause de eux, en grande majorité, qu'on a la boule. Personnellement, moi, il y a trois personnes qui me disent qu'ils me kickeraient out. Qui? Moi, toutes les filles. Qui ça? Sébastien me dit qu'il me mettrait out. Cass me dit qu'il me mettrait out. Puis. Alexandra, elle, Dominique, ça fait deux jours, elle me parle un petit peu un mot. Ben moi aussi, Dominique, moi non plus. Si moi, Dominique me mettrait au balotage. Cass me mettrait au balotage. Sébastien me mettrait au balotage. Non, Cass, non. Oui, Cass me mettrait au balotage, oui. Ben moi, par la force, j'ai au moins quatre personnes contre moi. Fait que c'est sûr que oui, moi, j'avais. Toi, tu dis que t'es pas anxieuse, mais moi, je suis anxieuse, puis tu sais, je l'assume. 58 secondes. On nomme chacun un nom. Ben moi, je reste avec Kéké. Ouais. Moi aussi, je reste avec Kéké. Kéké? C'est qui? Ben, je me nomme. Ben, tu nommes tout à l'heure. Moi, je reste avec mon premier choix. Kéké, Alex. Ben, moi, j'aurais donné à Delphine. Je me donne à Alex. Fait que c'est trop Je la donne à Alex parce qu'on parle tous comme une équipe présentement. Puis si on veut déranger. 25 secondes. Mais si on veut, ça a été le seul. T'es pas le seul qui a pas fait choisir. C'est des tranches. Peu importe la décision qu'il va prendre, je veux pas que ça fuck l'esprit. Non, vraiment, vraiment pas. Après la pause, qui aura l'immunité? Alexandra ou Kevin Carr? After, l'équipe de Biggie a donné la première immunité de Love Story 6. La manière qu'on a procédé, c'est qu'on a chacun dit ce qu'on pensait, nos opinions sur... C'est sûr qu'on peut pas le savoir, là, mais comment c'était pour fonctionner, puis les votes, puis combien d'immunisés, puis c'est sûr qu'on s'est basé aussi beaucoup sur le feeling qu'on avait équipe contre équipe, les relations, peu importe. Et on en est venu au point de donner la balle d'immunité à Alex. C'est quoi cette histoire-là, Sti? Voyons donc, Sti, on se tient dans main à Love Story. Voyons donc. Ouais, c'est quoi? C'est une gang de morons. Gang de caves. On a vraiment des traites dans place. Des suiveurs, puis... Je trouve que les deux personnes d'Occupation Double sont les deux seules personnes qui n'ont pas le droit et qui n'auraient pas dû avoir le droit à l'immunité. Si on avait choisi Gab, serez-vous autant tabarnak? Moi, nous autres, on a dit qu'on préférait elle avant Gab. Parce que Gab, il s'implique vraiment. Moi, je pense que j'ai ma place ici, vraiment. Si j'ai été invitée à venir ici, si on me voulait sur le show, c'est parce que j'ai ma place ici, puis c'est parce que je vais la défendre, puis je veux vraiment rester. On a remarqué comme quoi que Mathieu Baron était vraiment... Lui et Alexandra se suivent comme deux chiens de poche, donc on pense parce peut-être... Parce qu'ils se connaissaient avant, ils ont travaillé ensemble. Puis on sait pas si c'est arrivé plus. Sûrement, parce qu'avec Mathieu Baron, il arrive toujours quelque chose. Mais pourquoi c'est pas Kéké qui est là plutôt qu'elle qui arrive d'Occupation Double? C'est quoi rapport? Juste parce que c'est ton ami, puis... J'ai l'impression des fois que les gars, ils pensent par là au lieu de tout ça. Mais je sais pas, parce que la fille, apparemment, elle vient d'une autre émission. J'assume comme un chien de poche. Non, moi, je me sens avec le monde que quand je passe à côté, ils me disent allô, donc. Non, je te veux même plus te parler, là. Ben, je suis venu te voir trois fois. Je suis venu te voir trois fois pour te demander qu'est-ce qu'il y a. Tu me dis, tu me fais chier. Je t'ai demandé pourquoi. T'as jamais voulu me répondre. C'est sûr. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses que je vois, moi? On est rentré ici, on s'est dit. Pour la chicane de Dex, là. Non, vraiment. Pourquoi elle, elle a eu l'immunité et non Kéké? Je sais qu'elle dérange beaucoup. Elle dérange beaucoup. Les autres filles, parce que c'est son seul cachera pas. Elle est super belle, elle est fine, elle est grande et tout. Fait que c'est normal, et la jalousie féminine qui embarque là-dedans. Moi, je veux passer du bon temps ici. Puis. Non.
Je suis venu trois fois te voir, te demander qu'est-ce que j'ai fait. Avant qu'on rentre ici, on s'est dit, on va retriper l'expérience du jour. Ouais, mais moi, quand je rentre une journée, tu t'es couché avec une fille dans le lit, première journée. Une fille dans le lit. Je suis de même, asti, un corps de fesse. Voir, elle fait 30 secondes qu'elle est arrivée, je suis comme ça, puis quand c'est sous mon lit, voyons donc. Toi, jamais que dans le 2, tu t'es couché dans le lit d'autres gars, toi, non? Fait que moi, j'aurais dû, direct en partant, t'envoyer chier pis arrêter de parler. Non, mais si tu vas pas... Asti, t'as pas même couché dans toutes les lits de tous les gars dans le 2. Pis toi, t'es pas dans le lit de tout le monde? Non. Hey, arrête! Pour à la fin finir avec moi, câlisse. Fait que moi, à partir du jour 1, j'aurais dû dire... Regarde, OK, c'est beau, parce que tu vas partout, t'es pas tout avec. J'imagine tout ça. Ben, de la façon dont Dominique m'a parlé tantôt dans les toilettes, puis de la façon dont elle agit depuis deux jours, Dominique n'est pas contente. Moi, je me suis pas du tout accrochée à Mathieu. C'est une complicité qu'on a développée vraiment naturellement, puis on se fait confiance. Là. Je veux dire, on est pas, je pense pas qu'il est en amour avec moi, puis je pense pas être en amour avec lui. Puis on n'est pas, ni moi ni lui, on n'est pas venu ici pour ça. Je pensais pas que c'était pour virer de même. Mais je suis content, maman. Roger. Oui. Au moment où tu as été mise à l'écart par les autres, ton sort était scellé. D'accord. Tu devais sortir du loft ce soir. D'accord. Christelle, je t'offre la possibilité de prendre ta revanche. D'accord. Ce soir, tu pourras provoquer un lofteur en duel pour qu'il prenne ta place. D'accord. L'issue de ce duel sera tragique. Le perdant devra quitter le loft ce soir. Ce duel se fera au pistolet. Oh my God. J'ai même pas mis par le coup. Oh my God. Dans le tiroir, tu trouveras les photos des lofteurs n'ont pas été sauvés par le public. Tu es la seule à avoir cette information. Garde-la confidentielle. Christelle, tu peux maintenant enlever ton uniforme de rejet. J'ai mes amis là-dedans, je peux pas faire ça à personne. Puis je peux pas prendre un gars, là, je vais me faire planter, là. Oh my God, my God! Oh my God, c'est fou. Oh my God, my God, my God, my God. Je peux pas faire ça à Sydney, là. Non, jamais je pourrais faire ça signer. Oh, merde! Si je prends Cynthia, je vais me faire détester par Arcadio. Là. Puis Geneviève, elle a l'air d'être motivée. Là. Ce soir, tu pourras provoquer un lofteur en duel. Ce duel se fera au pistolet. Le lofteur qui perdra ce duel sortira du loft ce soir. Je suis désolée envers tout le monde, là, sérieusement. Là, Christelle, c'est maintenant le temps de désigner ton adversaire. La personne que j'ai choisie, c'est vraiment pas personnel. Ça a été vraiment là, assez rapidement, mais ça a été vraiment difficile selon les choix que j'avais. Cette personne, c'est Cynthia.
Je suis désolée. Pensez-vous que Christelle a fait un choix stratégique ou émotif? Une chose est sûre, l'une des deux devra quitter le loft ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la vie de nos lofteurs en direct 24 heures sur 24 en vous rendant au www.lovestory.tqs.ca. Bonne soirée tout le monde, à demain. Comment ça me prend chier de sortir de même? Tu vas abattre, là. Fais comme moi, gars. Dis pas des affaires de même. Visualise, OK? Je suis nerveux. On se rend compte que comment ça va se passer dans les semaines à venir, donc ça nous donne une idée, mais ouais, non, je me trompe que j'aurais préféré que ça soit quelqu'un d'autre que Christelle choisisse. Je suis vraiment désolée, là. Sérieux, ça me déchire le cœur, là. Non, mais c'est correct, là. J'imagine que j'étais la seule fille, je te comprends, sinon je comprends pas. C'est tout. Ça fait 3 jours que tu passes ton temps à dire que tu m'aimes super gros, puis tu comprends pas, puis t'as rien compris. C'est ça aussi, je t'aime super gros, mais si tu t'aurais été à ma place, t'aurais fait la même chose. Non, mais je souhaite être la seule fille, dans les choix que t'avais. C'est tout. Tu vas comprendre peut-être après, là. Je suis à moitié triste, à moitié fâchée. Je trouverais ça vraiment plate de quitter l'aventure après 3 jours. Je m'en fous que le public ou que vous autres, la gang, vous décidez toutes de me sortir. Parce que c'est ça le jeu, genre. Ouais. Mais de me faire sortir parce que je prends un défi, ça me fait chier en salle. Tu sais, elle a été choisie par le public pour être ici, à sortir au 3e jour de l'émission, là. Ça fait chier, là, tu sais. Je veux pas sortir du loft, là. Je suis pas venue ici pour me faire sortir la 3e journée, mais en même temps, je suis pas venue ici non plus pour écœurer quelqu'un, tu sais. J'ai envie de rester, là, pour tous ceux qui ont dit que j'avais pas ma place ici, tu sais. J'ai envie de leur montrer le contraire. Je suis tannée d'être rejetée, tu sais. Ça me tente plus, là. Si je coule ça, je vais avoir été un rejet qui a manqué sa revanche. Incroyable. Ça a tellement fait mal. Tellement fait mal. Accompagnez vos lofteurs favoris à New York en juillet prochain. Vivez 3 jours d'émotion et poursuivez l'aventure grâce à touramérique.com. Plaisir garanti.